Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage sentimental pour août 2019 et c'est tombé sur les béliers. Donc voilà, que dire de plus? Finalement j'ai pris un peu d'avance, donc c'est pour ça que j'ai publié plus tôt que ce que j'avais mentionné dans d'autres vidéos. Et on est parti, comme toujours tirage général, donc prends ce qui te parle. Alors, c'est intéressant parce que c'est extrêmement cohérent, le tirage s'avère être extrêmement cohérent sur les problématiques en fait qui, j'ai pas réécouté les signes évidemment, mais il me semblait que pour les béliers il y avait une histoire de devoir sortir d'une situation avec une personne en particulier qui était peut-être un peu toxique ou qui n'était pas claire. Et en fait, bah, ça continue, mais bien évidemment, il y a des avancements et des petites différences et chacun a une vie qui lui est propre. Mais en tout cas, il y a une récurrence par rapport à cette idée de personne toxique qui peut être soit dans l'entourage proche, soit malheureusement la personne avec laquelle tu es ou pour laquelle tu as des sentiments que tu n'aurais peut-être pas vraiment dévoilés, mais qu'il y a une espèce d'attention et d'attache et d'investissement émotionnel qui a été fait ou qui est fait. Et du coup, ça complique un peu la chose. Mais je vais essayer d'aller un peu plus dans les détails, mais on va commencer déjà par une petite mise en lumière générale de on va dire l'énergie, la couleur du tirage. Donc pour moi, on est sur une idée de devoir apprendre de ses erreurs et justement de ne pas répéter les mêmes schémas infiniment en n'écoutant pas en fait quelque part, en ne s'écoutant pas et en étant toujours dans cette même dynamique. Tant que tu resteras dans la même dynamique et que tu ne travailleras pas sur les problèmes de fond et à savoir par exemple peut-être pourquoi tu as tendance à être attiré par un certain type de personne, un certain profil de partenaire ou sinon pourquoi voilà, tu te retrouves toujours dans des situations similaires. Là, il y a encore une idée d'être très attiré, d'être très attaché, mais c'est pas une attache, c'est une attache plutôt de l'ordre de la dépendance qu'une attache d'amour avec une certaine forme d'amour inconditionnel et de détachement, on va dire sain. Là, c'est quelque chose qui est presque c'est un magnétisme, une attirance qui est de l'ordre du chimique, du physique, mais ça peut fonctionner si en plus il y a une entente véritable et des sentiments partagés. Mais là, j'ai l'impression qu'on repart pour un tour, on refait un tour de manège avec soit le partenaire ou la partenaire qu'on n'a pas réussi à réellement quitter, soit en choisissant une personne qui est en fait une copie carbone de ce qu'on a essayé de quitter ou de ce qu'on ne veut plus en fait, ce qu'on a choisi, ce qu'on s'était pourtant dit qu'on ne voudrait plus avoir comme partenaire de vie potentiel. Et il y a une idée peut-être aussi pour certains béliers d'avoir besoin de plaire et de séduire pour se sentir quelque part vivant, pour se sentir valorisé. Je ressens aussi ça, ou sinon dans le sens inverse, ça serait d'être attiré par des gens qui sont dans une forme de séduction permanente et qui ont besoin d'être rassurés à ce sujet. Et donc voilà, si c'est pas vraiment ce que t'attends de quelqu'un, mais que tu attires ou que tu es attiré par quelqu'un ou que tu décides de te mettre en couple avec une personne qui a un naturel charismatique dont tu sais pertinemment que cette personne est comme ça et que tu l'as prise et que tu l'as choisie comme ça, après si tu lui demandes de changer ce qu'elle est profondément et de ne plus être aussi attirant ou attirante, bah voilà, faudrait peut-être déjà se mettre d'accord et savoir si tu acceptes la personne telle qu'elle est dans son entièreté ou pas. Ou dans l'autre sens, si tu es quelqu'un qui a besoin de séduire, qui a besoin de plaire, qui dégage une espèce d'énergie et d'aura, sois sûr de te mettre avec quelqu'un qui ne va pas te couper les ailes dès que l'affaire sera engagée et qui quelque part te reprochera ce pourquoi elle t'avait choisi au début. Il y a un peu cette idée-là. Donc on est dans un besoin vraiment de pouvoir apprendre de ses erreurs, d'accepter la diversité aussi, pour certains ou certaines peut-être, d'accepter aussi la diversité et le fait peut-être de tomber sur quelqu'un qui sait si tu n'as personne dans ta vie. Si tu trouves quelqu'un qui est extrêmement différent de toi, ne juge pas la couverture, comment dit-on, ne juge pas l'habit ne fait pas le moine, quoi. Ne juge pas la personne sur l'extérieur, mais laisse-lui une chance peut-être de te montrer ce qu'elle a à l'intérieur. D'autre part, on sent qu'il y a
un espèce de retrait. Alors ça pourrait valoir autant pour les personnes qui sont en couple, notamment en couple depuis un certain temps, ou les personnes célibataires qui sont sorties d'une histoire difficile, qui ont eu une séparation difficile par le passé. Là, les cartes ont plutôt l'air de dire que tu vas un petit peu te mettre en... C'est un peu paradoxal puisqu'on est encore en été, mais il y a une idée de se mettre en retrait volontairement, ou au contraire d'être forcé à se mettre quelque part dans une forme de gel des émotions. Il y a une véritable manque de... Tu n'es peut-être pas accordé vraiment à tes émotions, et il y a une certaine méfiance qui se dégage. Donc soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à la personne avec qui tu es, soit peut-être parce que tu as vécu des choses qui te font être maintenant très très méfiant par rapport à tout ce qui est séduction, par rapport à tout ce qui est justement engagement, de peur de se retrouver englouti ou asservi et bloqué dans une relation parce que tu as pu vivre ça par le passé. Là, on te dit qu'en fait, c'est un petit peu le moment de pouvoir prendre conscience de soi, mais en fait de part aussi des expériences que tu pourrais vivre qui vont être très bénéfiques à l'extérieur. En fait, ce sont des facteurs extérieurs qui vont permettre de te changer sur l'intérieur, et d'avoir cette certaine discipline, mais en même temps cette discipline tout en étant ouvert d'esprit, en fait, par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu veux changer dans ta vie au niveau des schémas de relations que tu pourras avoir tendance à répéter. Donc là, il y en a qui se sentent encore peut-être bloqués dans une relation dont ils savent pertinemment qu'il faut se dégager. Donc ça peut être le mois d'août peut être d'août. Le mois d'août, ça me fait penser au doute. Le mois d'août va peut-être justement être un mois où tu vas pas mal te poser des questions. Il y a un besoin de prendre confiance en soi, de se faire confiance et de s'écouter pour pouvoir ensuite renaître vers quelque chose de vraiment radicalement différent, pour un changement pour le mieux, en fait, hein. Clairement. Donc si il y a une espèce de rigidité qui s'instaure et une espèce de paralysie de gel des émotions, dès que tu sens que tu rentres dans ce mode-là, il faut que tu puisses... Déjà, c'est plutôt un signe indicateur que tu es dans quelque chose qui ne te convient pas. Enfin, après, ça dépend des personnes, mais en tout cas, moi, enfin, dans mon esprit, ne pas pouvoir exprimer ses émotions librement, ce n'est pas sain. Donc voilà, dès que tu sens que tu commences à partir en retrait et que tu commences à littéralement paralyser, c'est qu'il faut que tu sors de là. C'est qu'il y a quelque chose de pas clair dans l'histoire, et si tu es en passe de faire des rencontres, si tu te trouves avec quelqu'un qui a l'air d'être bien sous tout rapport, où il y a une véritable attirance, mais qui te refroidit littéralement par des choses que cette personne peut dire ou surtout faire, ne marche pas, cours à la première sortie le plus rapidement possible, et laisse tomber cette histoire avant qu'il y ait déjà, dès que tu sens les prémices, les signes avant-coureurs d'une relation toxique ou de comportement toxique, ne marche pas, vole vers la sortie. Ça n'en vaut pas la peine. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter? Du coup, c'est quelque chose qui ressort aussi, qui est un petit peu appuyé par le tarot. Il y a cette idée de gel. Je ne sais pas si c'est toi qui es dans cet état, ou peut-être la personne avec qui tu es, si tu es en couple. Il y a une situation pour moi où on est dans une forme de retrait, d'attente. Et on gèle un peu on met tout en stand-by par rapport à des projets que l'on pourrait avoir pour l'avenir, parce qu'en fait, on ne fait pas du tout confiance à son partenaire. Pour moi, il y a vraiment de gros doutes quant à la fidélité de la personne avec qui l'on est. Il y a une idée de triangulaire dans certains cas même. Et il y a quelque chose qui est en fait... On en revient à ce que je disais au départ. Si tu choisis une personne qui a besoin de beaucoup d'attention, qui a besoin d'avoir les regards rivés sur elle ou sur lui, et que tu te rends compte que ça ne te convient plus, mais que tu restes en espérant pouvoir changer la personne, c'est un peu se voiler la face, c'est un peu être dans le déni, et un petit peu refuser aussi d'accepter la personne telle qu'elle est. Si tu l'as connue comme ça et que tu pensais qu'elle allait changer pour toi, c'est peut-être toi qui t'es un peu planté là. C'est peut-être toi qui as eu un mauvais... quelque part, qui attendait quelque chose de la personne, mais que la personne ne pourra pas te donner, en fait, ne pourra pas faire pour toi. Donc, ou réciproquement, si tu es remets dans le contexte, évidemment. Si c'est toi qui as besoin de beaucoup d'attention et que le partenaire ou la partenaire te reproche d'être comme ça, quand il a accepté de se mettre avec toi, il y avait déjà... Il savait ce qu'il avait en face de lui. Pour moi, il y a une idée d'être aussi, d'avoir le courage de pouvoir être honnête avec soi-même quant aux relations, aux choix qu'on a pu faire au niveau justement des relations sentimentales. Là, il est temps de faire un petit peu
pas vraiment le bilan, enfin si peut-être que ça serait le moment de faire le bilan pour voir qu'est-ce que j'apprécie chez mon partenaire, qu'est-ce que je n'apprécie pas, comment je l'ai connu, comment est-il maintenant et comment la relation a-t-elle évolué et est-ce que ça me convient ou pas. Et si ça ne me convient pas, bah, soit mettre les choses à plat clairement et voir si on peut s'accorder, soit avoir le courage de passer à autre chose, quoi. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là, il est vraiment faire de l'à peu près, ça va pas être très bénéfique sur le long terme, quoi. On est dans quelque chose aussi pour certaines, ou peut-être même certains hommes. Faites attention si vous rencontrez quelqu'un qui vous endort un peu, qui vous baratine un peu. Si vous sentez que vous êtes baratiné déjà, c'est pas bon signe, quoi. Il y a une idée d'être dans une forme de création, de vouloir vraiment. De vouloir quelque chose, d'avoir une approche peut-être un peu adolescente des sentiments, des choses, et c'est pas forcément mal en soi, mais dans ce contexte-là, il y a un côté un peu, comment dit-on, qui ne prête pas attention aux détails, qui, je m'en foutiste, voilà, mais qui n'est pas, qui n'est pas souhaitable si tu veux vraiment t'établir dans une relation saine et appelée à durer en fait. Et il y a une idée de pouvoir, il y a peut-être des choses qui vont être révélées, peut-être que tu vas découvrir certaines infidélités de ton ou ta partenaire, c'est possible. Il y a une idée de découvrir des choses qui jusque-là avaient été cachées. Donc ça peut être à ce niveau, et de toute façon c'est d'ordre vraiment là purement physique pour moi, hein. C'est d'ordre des désirs, des fantasmes, mais je dirais des choses qui se sont passées, pas forcément de l'infidélité telle quelle, mais une forme de, je pense qu'il y en a pas mal qui doivent ressentir une espèce de forme de trahison par rapport à quelque chose vis-à-vis de la personne avec qui ils sont. Donc voilà, c'est assez dense, je m'éparpille, mais je vous dis un peu ce que je ressens. Et là, pour moi, clairement, avec l'oracle de la Sibylle en plus, on est dans une idée que là, nos valeurs et nos croyances sont vraiment remises en question. On se rend compte que la politique de l'autruche ne fonctionne pas, que faire semblant que tout va très très bien et attendre désespérément un signe du ciel, ça ne fonctionne pas. Et pour moi, il y a un renouveau qui va s'effectuer au niveau non seulement du partenaire ou voilà de la personne avec qui l'on est ou avec qui on pour qui on a des sentiments, et ça va aussi impacter le foyer en soi-même. Et pour les infidélités, s'il y a eu tromperie et que tu l'apprends ou que tu es celui qui a trompé et ton partenaire l'apprend, voilà, ne sois pas étonné parce que j'ai l'impression que le mois d'août va être propice quelque part aux révélations de tout ordre. Mais là, ça serait plutôt axé quand même à des genres de révélations sur le plan vraiment très intime, hein. Et là, donc là, ça va être il y a peut-être aussi pour certains et certaines une idée de devoir bouger de raison ou de force, hein. Je ne sais pas si c'est un choix que tu voulais ou c'est quelque chose qui t'a été imposé de par peut-être un travail, une proposition de travail qui va être ailleurs et qui va t'appeler à bouger, ou peut-être un voyage que tu vas faire là ou durant les vacances, là des choses qui vont se passer. Et je pense que tu vas vraiment prendre conscience. Ça va peut-être être un petit peu difficile à avaler, la pilule va peut-être être un peu difficile à avaler en fonction de ta situation et surtout de ton degré de refus d'accepter la situation pour ce qu'elle est. Mais là, tu vas vraiment prendre conscience que tu as besoin de prendre de la distance, prendre du recul par rapport à tout ça et que tu es dans une situation où tu te sens vraiment enchaîné, où tu te sens vraiment compromis ou compromise. C'est une situation compromettante. Tu es dans un truc où tu sais que t'as pas tous tes moyens et t'es pas bien dans cette histoire ou dans cette relation. T'as pas ta place. Enfin, t'arrives pas à trouver ta place, c'est plutôt ça. Et donc ça va te pousser à faire à faire du gros changement sur le plan sentimental. Pour moi, les béliers, ça va être en deux temps. Il y a le moment où on réalise qu'on s'est mis dans une situation, qu'on est dans quelque chose en fait qui nous convient absolument pas. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, pour ceux qui se sentaient dans quelque chose qui va pas, là, on pourra plus faire semblant. Et en plus, je pense que ça va ensuite être en deux temps. Le premier, on réalise ce qui se passe et on commence à flipper, où on est vraiment très triste par rapport à tout ça et on se sent coupable. Ensuite arrivera l'étape numéro 2, où on aura repris un petit peu peut-être, voilà, on se sera un
petit peu remis d'aplomb, on aura digéré quelque part, on aura fait le deuil de cette histoire ou voilà de ce qu'on voulait à travers peut-être le partenaire avec qui l'on est qui ne convient pas, et on va décider de faire des changements et d'activer, de y aller. Et des changements qui vont être plutôt bénéfiques, je dirais, sur le plan justement par la suite pour tes prochaines, pour la suite de ta vie sentimentale. Il y a une idée de sortir de cette espèce de regret à n'en pas finir. Là, on sort de ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais on a quand même, on va avoir du mal à pouvoir se réjouir des choix qu'on a pu faire, même si on sait qu'ils se sont les bons choix. Il y a ce truc de, je sais que j'ai pris la bonne décision, mais je ne peux pas m'en réjouir parce que pour l'instant c'est trop vif, c'est trop récent, et je vais avoir besoin de temps pour pouvoir digérer ce qui est en train de m'arriver. Mais en tout cas, je pense que pour pas mal, il y en a qui vont sortir de cette espèce de sacrifice de soi pour être au service d'une personne qui n'est pas vraiment honnête, qui est peut-être même clairement manipulatrice, et on s'en éloigne. Là, on prend le large. Pour moi, il y a une idée de prendre le large. Donc si ces vacances sont l'occasion parfaite pour toi de faire entre guillemets un break ou de faire des vacances chacun de son côté par rapport à la personne avec qui tu es, tant mieux, parce que ça te permettra de prendre du recul par rapport à tout ça et de pouvoir avoir les idées beaucoup plus claires par rapport à ce que tu vis et à la manière dont tu peux te sortir de là si ça te convient pas du tout. Mais j'ai l'impression que je vais prendre l'autre parce que j'ai pris message d'éveil, mais je pense que message de guérison ça sera mieux, donc je vais prendre ça et faire ça en direct. Voilà, j'ai bien fait de m'écouter parce que je trouve que c'est plus raccord avec ce que j'avais pioché avant. Alors la première carte que j'ai, c'est Harmonie. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Et c'est le chakra, couleur violette de la carte, chakra couronne, c'est ce qu'il y a juste au-dessus de la tête, en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'est ce qui est en rapport avec l'intuition, son être divin. Donc là, on t'invite à te faire confiance, quoi. Et la deuxième carte, c'est le travail intérieur. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage, ainsi je deviens plus fort. Donc voilà, tout ce que tu es en train de vivre te prépare pour la suite, et peut-être si tu n'es pas heureux ou heureuse sentimentalement parlant, ça te prépare à avoir quelque chose qui va être tellement mieux derrière. Donc n'aie aucun remords, n'aie aucun regret, avance, écoute-toi, trace ta route et fais les choix qu'il faut que tu fasses en ton âme et conscience. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est déjà assez complet, je pense. Si tu souhaites travailler avec moi, l'audufeu@gmail.com, tout est dans la barre d'infos et je te dis à très vite pour de nouveaux tirages.